Shalom Avracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Étant donné que nous sommes dans la période messianique, moi, c'est comme ça que je dirais, avec tout ce qu'on voit, ce qui se passe dans le monde, les tours qui tombent, les immeubles qui s'effondrent, les périphériques qui tombent, le corona qui lui aussi, il fait des zigzags, il monte, il tombe, il va muter, il va perdre son poids, il gagne du poids. On ne sait pas, on est dans un monde vraiment, on ne sait pas, il faut être réaliste. On n'est pas loin de la Géoula. Aujourd'hui, le monde, il tient sur un bout de fil. Vous savez, une guerre atomique, je ne sais pas moi, un virus comme Corona qui peut muter, qui va muter et qui va devenir 1000 fois plus qu'il est aujourd'hui, que Dieu préserve. On n'espère pas. Si Dieu veut que jamais ça arrivera, ça peut être catastrophique. Vous savez, mais avec l'aide d'Hachem, on demande à Kadosh Baruch Hu que si Mashiach doit venir, qu'il vienne dans la détente, dans la joie, sans souffrance, sans rien du tout. Mais pour ça, nos sages, ils donnent des conditions. Ils disent, voilà, pour que Mashiach va venir, il va avoir ceci, cela. Il y a des tna'im. Il y a des tna'im pour que Mashiach vienne. Mashiach ne va pas venir comme ça. Mashiach va venir, nos sages disent, où le monde entier est racha, où le monde entier est tzadik. Alors il y a le Balatania qui dit, c'est pas possible. Que le monde entier est tzadik, c'est impossible, il y a toujours des rechaim. Que le monde entier est rechaim, c'est impossible, il y a des tzadikim. C'est impossible. On ne peut pas trouver toute une génération de tzadikim, toute une génération de rechaim, toute une génération des bons, ou toute une génération des mauvais, c'est impossible. Il y a où ça. Il y a toujours un mélange. Il y a le Baal HaTanya qui l'explique, il dit que pour que Mashiach vienne, eh bien, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'homme, il ne faut pas qu'il soit hypocrite. Il faut que l'être humain décide où il est tzadik, où il est racha. C'est tout. Où il est tzadik, où il est racha. Vous savez, j'ai reçu un couple à Miami, enfin, j'ai reçu une famille entière, les grands-parents, leurs enfants et leurs petits-enfants. Et je regarde le grand-père, bon, bien sûr, ils sont venus pour qu'ils demandent des prières pour la famille qu'ils ont été, ils ont de la famille, malheureusement, qui se trouvait dans cet immeuble qui s'est effondré et qu'on n'a pas trouvé ni corps, ni mort, ni vivant. Et ils sont venus pour des brachot. Et puis, je regarde le grand-père et je lui dis, tu mets une tefiline? Il me dit non. Je regarde son fils, il a la cinquantaine. Tu mets une tefiline? Il me dit non. Alors je vois son fils à lui. Alors voilà, je vois le grand-père, le fils et le petit-fils. Et le fils, il me dit, tefiline? What's that? C'est quoi tefiline? Il ne sait même pas c'est quoi tefiline. Alors d'un côté, il vient chez moi pour recevoir des brachot. Et pour dire merci aussi. Parce qu'il devait passer la nuit dans cet immeuble, et à cause que la clim ne marchait pas, donc ils sont partis à l'hôtel, mais certains de leur famille, ils sont restés là-bas, mais toute la famille, les grands-parents, les enfants et les petits-enfants, eux, ils ont échappé grâce à la clim, enfin, une excuse, parce qu'Hachem n'a pas voulu qu'il leur arrive quelque chose, parce que la clim, elle marchait, et soudainement, elle s'est arrêtée, donc ils sont partis dormir à l'hôtel. Donc mes amis, je les vois, je leur dis, vous ne mettez pas une filet, vous venez me demander une bracha pour que vous trouviez quelqu'un qui manque et dire merci à Hachem que vous êtes vivant. Très bien, mais vous savez ce qu'est Hachem? Il me regarde, il me dit, ben oui, j'attends une seconde. Si vous voyez un panneau
sans s'interdire. Vous allez faire quoi? Vous êtes en voiture. Vous allez rentrer? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un sens interdit. Mais la Torah, il y a là-bas des sens interdits, ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Et c'est Hachim qui nous a donné la Torah. Je ne comprends pas. Vous êtes juif et vous ne mettez pas à tefillin et que vous dites que vous connaissez le bon Dieu. Mais comment vous pouvez connaître le bon Dieu et vous ne savez pas ce qu'est être tefillin? Mais c'est où Dieu? Beaucoup de fois, mes amis, on croit qu'on croit et on ne croit pas. C'est ça le problème. On croit qu'on croit et on dit si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut. Mais quel Dieu? Un Dieu que tu n'écoutes pas, un Dieu que tu ne sais pas ce qu'est être tefillin. Le grand-père ne l'aimait pas, son fils ne l'aimait pas, il a la cinquantaine. Et le petit-fils qui a 15, 16 ans, il n'aimait pas. Je ne comprends pas. Ils sont venus dire merci, mais ils ne savent pas. Eh bien, justement, c'est ça le problème. Mashiach ne peut pas venir lorsqu'on croit en Dieu et on ne fait pas les mitzvot. Il faut se décider. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Mais tu ne peux pas être les deux. Tu ne peux pas aimer deux femmes. Tu ne peux pas dire à ta femme, voilà, je t'aime, je me marie avec toi, mais je me marie avec l'autre. Attends, si tu te maries avec l'autre, c'est que tu ne m'aimes pas. Il y a un monsieur qui est complètement fou. Chaque fois pour énerver son fils, il lui dit, tu n'es pas mon fils. Il lui dit, tu n'es pas mon fils. Un jour, le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il a grandi, il a quitté la maison, il n'a plus donné signe de vie. Alors les parents sont partis à la police. Partout, partout, partout. Et à la fin, la police, elle l'a trouvé. Donc, il avait 16 ans. Il était comme mineur. Donc, c'est pour ça, la police, elle s'est mêlée. Elle a trouvé, ils ont appelé les parents et le père. Il a commencé à pleurer. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, parce que chaque fois, tu me dis, je ne suis pas ton fils. Alors, décide-toi, je suis ton fils, je ne suis pas ton fils. Si je suis ton fils, alors, pourquoi tu me dis, tu n'es pas mon fils? Non, tu es mon fils. Alors, papa, si tu es ton fils, allez, arrête. Mais ne me dis plus, tu n'es pas mon fils. Parce que moi, j'ai commencé à croire que vraiment, je ne suis pas ton fils. Alors, vous savez, c'est ce que le Baal HaTanya a dit. Ma chère, il ne peut pas venir si on croit en Dieu, on ne fait rien ce que Dieu y demande. Alors, il faut décider. Ou tu crois en Dieu, tu fais ce que Dieu te dit de faire, ou tu ne crois pas en lui et tu ne fais rien du tout. Mais tu ne peux pas vivre, c'est comme un pas en avant, un pas en arrière. Et vous savez, si on veut monter des étages, ben, on monte. On monte pas. C'est pas un pied qui monte et un pied qui descend. Ça ne marche pas. Jamais tu vas arriver là-haut. Et aussi, jamais tu vas arriver en bas. Bon Dieu vous protège et vous donne le Bechavat Slaha. Et toujours s'asseoir encore vers là-haut, vers là-haut. Et qu'on voit Mashiach à mes créations. Nous avons un peu de temps.